à toutes et à tous sur TV5 Monde pour vos prévisions météo de ce mardi 27 juin. Prenons tout d'abord la direction de l'Asie du Sud où la mousson bat son plein avec beaucoup de fortes pluies, également des orages violents. Parfois 100 litres d'eau au mètre carré sont attendus. Ici, vous le voyez en l'occurrence dans la région de Panchkula en Inde, de fortes inondations. On revient sur notre territoire, sur notre continent avec un anticyclone qui se situe sur le bassin méditerranéen, une dépression sur le Danemark, quelques perturbations à l'est du continent. Côté température, globalement dans l'ensemble, les températures sont de saison, hormis sur la péninsule ibérique et également sur le Maghreb, où le pays ou les pays suffoquent avec une chaleur bouillonnante. Regardons, pour les îles britanniques, par contre, la chaleur là s'est arrêtée. On va retrouver des nuages, quelques précipitations également. 23 degrés du côté de Londres, sur le Benelux, un temps sec, de plus en plus nuageux et des températures en baisse. On attend un maximum de 22 degrés sur Bruxelles. Quant à l'Hexagone, globalement, une belle journée, un petit peu plus de nuages au nord et sur le sud. Eh bien, c'est la chaleur qui est au rendez-vous avec, par exemple, 32 degrés dans la région de Montpellier. Du côté de la Scandinavie, on attend quelques ondées au sud de la Scandinavie. Sur les pays baltes, c'est un beau temps ensoleillé, mais en fin de journée, on pourrait avoir quelques orages au programme. Pour l'Europe centrale, un ciel changeant, variable, avec parfois quelques petits orages. Et sur les Balkans, c'est un beau soleil, mais également quelques orages qui peuvent arriver en fin de journée. Du côté de la Grèce et de la Turquie, de belles conditions estivales, une chaleur marquée. Sur la Grèce, en fin de journée, quelques orages peuvent également sévir. Regardez du côté de l'Italie, eh bien c'est un beau soleil. On peut avoir quelques petites ondées au nord du pays. 32 degrés attendus pour Rome. Et enfin, pour la péninsule ibérique, eh bien toujours cette chaleur très marquée avec des températures parfois qui peuvent atteindre 40 degrés. Avant de se quitter, on part du côté de l'Amérique. On attend pas mal de tornades et également des orages violents, principalement en Caroline du Nord et également en Caroline du Sud. Quelques orages sont aussi attendus à Washington et à New York. À très bientôt et belle suite de vos programmes sur TV5 Monde.